Bonjour tout le monde, oui ça fait déjà 2 jours que je commence le vlog avec des lunettes, c'est pas les miennes, c'est ça maintenant que je vous le redis, et on m'a dit que ça faisait un petit peu Harry Potter. Harry Potter du pauvre. Ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, très simplement pour Manon, pour sa chaîne YouTube. En fait, avant, on s'est rendu compte que c'était une petite kikou. Hein? Une grosse, grosse kikou. Parce qu'en fait, avant, c'était à quel âge? Quand t'avais 14, 15 ans? 16 ans. Quand t'avais. Au pire. On s'est rendu compte, on a retrouvé un ancien Skyblock de Manon. Et en fait, je dénigre personne, hein, mais on s'est aperçu qu'elle avait écrit des fanfictions. Et. Sur qui? Vas-y, dis-le, dis-le, dis-le. Non. Sur les One Direction, putain. Oula, bon. Je vous explique la vidéo, c'est pas très concluant parce que c'est ma faute en fait. Alors pourquoi c'est ma faute? Très simplement, en fait, comme vous le savez, ça fait maintenant super longtemps que si vous me suivez depuis maintenant super longtemps, j'ai quelques problèmes d'élocution, hein, on va dire. Et je sais pas pourquoi, là, aujourd'hui. Je n'arrivais pas à lire. Enfin, il fallait donner l'intonation et enfin faire comme si c'était nous qui parlions en fait. Et j'arrivais pas à tout faire en même temps. Je sais pas, mon cerveau ne suivait pas. Donc du coup, on a abandonné. Et pour la peine, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Et tout à l'heure, après ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, je vais partir à la Fnac acheter un livre. Et puis comme ça, pour le lire et pour reprendre un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas lu. Et je me rends compte que je suis un énorme galérien. Donc bon, on s'est arrêté et maintenant on change de truc. On va faire un truc un petit peu plus, on va dire, sportif. Parce qu'on part avec Manon sur une vidéo de type yoga challenge. Est-ce que t'es habillé ou pas? Comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu plus sportif du coup. Parce que. Fais fort avant qu'elle arrive. Bon, bien, bien passé? Bah écoute, ça va, hein. Ouais. Je pense que la dernière est très drôle. La dernière est très très drôle parce que c'est parti un peu en couille, on va dire. Mais au Manon, final, on a réussi. on a réussi. Manon était perché, on va dire. Ses fesses étaient à ce niveau-là. Oui, bah oui, t'as des jambes d'1,80 m, c'est Bon, pas d'accord, connu. peut-être plus là. Bref, je me change parce que c'est pas très très viril, hein. Le moule tub et ça, c'est pas très viril et c'est pas très accordé niveau couleur. Bref. Je me change et on part à la Fnac parce que, comme je le dis, il y a ce cash. Bon, si je suis ici, c'est que bon, déjà il fait beau, il fait pas très froid, ça passe. Parce que tout à l'heure, on s'est rendu compte, à l'heure, quand on prenait la vidéo avec Manon, que j'avais un gros problème d'élocution et surtout de lecture. Parce que j'arrivais pas à lire, en fait je crée des mots en fait. Quand je lis, je crée des mots et ça n'a plus de sens en fait. Je sais pas, j'invente des mots. Comme si que je sais, enfin comme si je savais ce qui allait suivre le mot précédent. Et ça veut rien dire en fait. Et ça m'énerve. Bon, au lieu de directement faire appel à un phoniste, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'acheter un livre dans la vie. Parce que je pense que ça fait à peu près la troisième que j'ai pas lu vraiment un gros livre. Et je me suis dit que tiens, ce serait intéressant le soir, au lieu de rester la vie, toute ma vie sur l'ordinateur. Parce que bon, ok d'accord, internet c'est source de revenus pour moi. Mais des fois il faut faire des petites pauses et je me suis dit que faire un gros livre, taper un gros livre avant de dormir, bon, c'est un petit peu tendancieux. Ok d'accord, parce que ça peut faire que du bien. Bref, on va à la Fnac, je trouve un gros livre et basta. Avant de s'arrêter à la Fnac, là on s'était arrêté dans un magasin juste à côté, j'ai fait mon plan en avant. Et en fait on est dans un endroit de créateur. Et ça m'a l'air plus sympa, en fait il y a tout plein de fringues, c'est intéressant. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de faire un truc avec Reyes. Bon, c'est jusqu'au 31. Peut-être prendre des contacts et voir un truc si on peut faire avec des créateurs de Lyon. Faire une petite collab. Le problème, c'est que je suis quand même ici en face de livres. D'ailleurs, peut-être 1 milliard à la Fnac. Je sais pas quoi prendre. Bon, on est dans les coups de cœur, ok, d'accord, comme dans les tendances, on va dire sur YouTube. Mais j'ai pas d'idée. Donc, s'il y en a qui savent un petit peu ce que. Si vous lisez des trucs cool en ce moment, je sais pas si vous lisez, mais si vous lisez des trucs cool, dites-moi dans les commentaires de la vidéo parce que moi je n'ai aucune idée. Je sais pas ce qui sort en ce moment. Je sais même pas par quoi commencer. Le quartier Saint-Jean, vous êtes.
connaissent. On pensait se poser boire un coup tranquillement. En fait, il n'y a rien du tout. Tout est fermé. Pourquoi c'est flou, c'est chiant. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, tout était fermé. Et en plus, bon, comme vous voyez, il fait très très froid. Et donc du coup, on va se retrouver au Starbucks. Voilà, on fait notre petit petit baisse-beauté, on se pose ici, le petit tout à 14€, hein, comme on aime. Hein. Noël, qui dit Noël, elle dit... sinon, elle dit pas 14€, elle dit ça fait mal au cul. J'avale mon cookie à 14€. Je sais pas si vous vous rappelez d'hier, quand j'ai mis dans mon blog par rapport au calendrier, le jour c'était Amine, après c'était Seb, avant c'était Zach, et là c'était autour de Pierre Cross. Et on peut voir mon café à 14€ aussi. Et là, bah, écoutez, Pierre Cross vient de répondre à l'instant, dit comme quoi, bah écoute, pour une fois que j'ai des abdos, et moi ça fait plaisir. Hein. Si je peux te rendre service, tant mieux. Les gars, en fait, très sincèrement, pour tout vous dire, en ce moment, vu qu'on bouge pas mal avec Manon dans Lyon et que, enfin, vous allez me dire, c'est totalement con, et du coup, on passe notre vie sur, on va dire, sur Uber Eats, et bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça aide bien, ça sauve des vies, on va dire, parce que sinon, on mangerait du gravier et on serait commencé à manger le mur, donc du coup, ça aide bien. Bref, en tout cas, je vous mets mon petit code ici parce que, avec les codes, ça sauve bien la vie, parce qu'en ce moment, on est comme ça avec les codes et. On passe dans les mailles du filet, donc du coup on mange pour pas super cher. Donc bon, mon code est juste ici. Alors excusez-moi, je vais simplement mettre le pied comme ça, le trépied, parce que tout à l'heure je vous ai parlé comme quoi j'allais à la FNAC. C'est pas de la grande littérature, je pense. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est très bien écrit, je sais pas. Mais c'est Médecin du Raid. Et pour tout vous dire, en fait, c'est un mec, un médecin du Raid, qui explique ce qu'il voit et comment ça se passe sur les scènes d'attentats, surtout, et notamment au Bataclan, en fait. Et bon, c'est très noir, d'accord, je l'avoue, c'est très très noir, c'est pas ça qui va me faire rire avant de dormir, hein. Peut-être que ça va me mettre mal, sûrement même, mais ça m'a interpellé, et j'aimerais savoir, parce que bah, on entend de plus en plus parler de partout, à droite à gauche, comme quoi, bah, les attentats, on peut pas vous expliquer, hein. Mais... Ben, ça m'a interpellé, j'aimerais avoir ben, l'état d'esprit d'un mec ben, qui est de sur place. Parce que notamment, je vais pas citer de nom ni rien, mais j'avais un prof qui est quelqu'un de sa famille qui était chez la BRI, oui, qui travaille, oui, qui était à la BRI, et qui a participé au. Enfin, quand ils ont tué le mec Koulibaly, je crois, à l'hypercachère. Et il nous avait expliqué ça, et ce jour-là. Pardon, j'ai l'écharpe, deux secondes. Je disais comme quoi, il a participé à ça, et le jour où il nous a expliqué, bah putain, enfin il nous l'a expliqué le lendemain en fait, hein, ou deux jours après, genre c'était peut-être le vendredi, je sais plus, c'était le lundi en rentrant en cours, qui nous a expliqué en fait, ben ça, et ça m'a interpellé, et depuis, ben j'en suis assez, je suis en admiration devant ces mecs, et voilà, ça m'a interpellé, j'ai envie de lire un petit peu ce truc, et peut-être que ça va me déclencher un truc chez moi, et peut-être que ça va me faire lire, peut-être que d'ici un an, d'ici six mois, un an, je vous ferai des petites chroniques de livres, je sais pas, bon en tout cas, hein, ça fait longtemps que j'ai pas lu, je vais m'y remettre, mais je pense que ça peut faire que du bien parce que en ce moment je passe ma vie sans internet, ma vie, mais je passe ma vie, je lis rien d'autre que ça, et je pense que ça va me faire du bien le soir avant de me coucher, je vais arrêter de me stresser sur les vidéos YouTube, tout ça, regarder des vidéos YouTube à la con et me perdre sur les élans qui se baisent, n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que je vais quand même me rendre compte que j'ai des lunettes et j'ai un col roulé et je parle de livre. Bon, ça part un peu en couille, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, hein, peut-être qu'il y aura toujours des éclairs pour dire « Ah, tu sais pas lire, t'es un con !» Dites ce que vous voulez, mais pour le coup, quand j'ai un souci, j'essaye de le régler au plus vite. Parce qu'on a toujours des soucis dans la vie, j'ai pas les accumulés, donc du coup, je fais ça au plus vite. Et également, comme je vous le dis, s'il y a vraiment des gens qui adorent la lecture et qui, peut-être que ça, comme je vous le dis, ça peut-être me déclencher un truc, dites-moi des trucs que vous aimez lire, des trucs sympas à lire, des trucs cool, des trucs qui font voyager. Et peut-être que ça m'intéressera, peut-être que bah, j'achèterai et que je pourrais vous en parler vite fait dans un vlog, ça peut être intéresser les gens, peut-être changer les choses, je sais pas, peut-être. Bref, en tout cas, quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, simplement, vous m'avez demandé 800 fois, par personne, par jour, par heure, par minute, où en sont les Bombers Reyes. Les Bombers Reyes, je vous mets juste la photo juste ici, les Bombers, où ils en sont, bah, vendredi, ils arrivent chez nous en fait, ils arrivent dans notre local, vendredi. Voilà, donc c'est chez nous vendredi, vous en faites pas, ça arrive très très vite. Les 4 cadeaux sont enfin disponibles sur le site Reyes, donc du coup également le site, je vous le mets juste ici et dans la description, 4 cadeaux pour offrir pour Noël, pour ce que vous voulez, pour enfin bref, ça arrive chez vous en mail et également en physique pour bah, par exemple sous le sapin, avoir un petit truc à vous donner.
Voilà, enfin voilà, c'est ici. Donc je vous laisse le lien ici et dans la description. Voilà, sur ce, bah, écoute, si t'as kiffé la vidéo, mets un petit like, hein, pour que moi ça me fait plaisir. Si tu kiffes ce truc, ici là, bah, écoute, tu peux liker, ça me ferait également plaisir. Et si tu kiffes cette caméra, je te demanderai tout simplement de t'abonner. Pourquoi la caméra? Je ne sais pas, parce que je l'ai dans la main. Bref, sur ce, je vous laisse, bonne nuit, bonne soirée, mes sous. Et j'ai juste une pizza qui m'attend. Et ça, c'est le kiff. Pizza. Ah bah le feu, nickel.